Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Malgrand. Je vous présente Maëva de Job & Box. Bonjour Maëva. Bonjour Géry, bienvenue à Saint-Malgrand. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te propose un poste de pointeur chez Serupa, à Merdrignac, à 15 km d'ici. Pointeur, alors moi je connais pas du tout ce job, mais mission acceptée. David va tout expliquer, je te donne tes chaussures de sécurité, je compte sur toi. Merci. Bonjour David. Bonjour Géry, bienvenue à la Serupa. Bah merci beaucoup, je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Ouais, bah moi je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc je m'équipe une cotte. Une cotte, ouais. Un bleu qui n'est pas bleu. Non. Je remets mes chaussures de sécurité. Le tablier. On va pas en cuisine là. Non, on va pas faire un petit plat. Bon alors toi explique-moi tes horaires David. Moi mes horaires c'est 7h le matin, ouais. Midi, okay. 13h, 13h30, 17h. Okay. Et le vendredi, c'est de 7h à midi. Tu travailles jamais le vendredi après-midi ? Jamais le vendredi après-midi. Moi non plus alors. Non, tu arrêteras le vendredi midi. Deux jours et demi de week-end. Un grand week-end. Bon, okay. Bah maintenant, on va aller au travail. Allez, go. Et voici mon poste de travail. Donc ici, tu as ton plan. Donc, voilà mon plan ici. Et là, je sais qu'il me faut tous les voiles là. Il faut que je vais chercher ça dans mes caisses. Et je viens les positionner. C'est de l'assemblage. Voilà. Comme un mécano. Comme le mécano, oui. Toi, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier ? Moi, ça fait 26 ans. Waouh, félicitations ! Donc, les bouchons d'oreilles. Les bouchons d'oreilles, les lunettes, les gants. On va prendre le chariot et on va aller chercher tout ce qu'il faut comme pièce pour assembler dans le poteau. D'accord. Sous repère. Hey, tu fais de la muscu ici ? Il nous en faut 4. Ouais. C'est une salle de muscu, ah ouais, non ? Mais c'est une salle de... On sort d'ici, on est costaud. Donc là, on a toutes nos pièces. Là, on a toutes nos pièces, là. On a des trous de pointage, déjà. OK. On a juste à aller à poser. Dessus. Et faire des 2 ou 3 points de soudure. C'est toi qui fais la soudure ? Non, c'est pas moi qui fais la soudure. Je fais qu'un point. Pour tenir la pièce à l'autre. À l'autre, voilà. Okay. Et c'est mes collègues qui soudent derrière. Et après, de mes collègues, ça part en peinture. OK. Toi, t'as fait quoi comme étude ? J'ai un CAP métallier. Et si moi, j'ai pas de CAP métallier ? On est en apprentissage. Mais en apprentissage, je peux faire mon apprentissage ici. Ah bah ouais. Ok. Là, on a 240 intérieur du poteau à l'axe du trou. Okay. Voilà. 240, nickel. Maintenant, on donne un coup de pointe à tracer. Alors attends, montre-moi ça. Ça, c'est une pointe ça, à tracer. C'est une pointe à tracer. Ok. Mmh. D'où le métier de pointeur. Pour le métier de pointeur. Ok. Voilà. C'est pas comme à la pétanque. Ah non. Tu pointes non, ou tu tires. On pointe, mais différemment. Okay. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Moi, c'est tout ce qui est traçage et l'assemblage. Fleur de soudure, cagoule, je vais te montrer. Je la prends comme ça, et voilà. Et laisse-moi faire. Voilà. Faire un petit point là. Voilà, impeccable. Un petit point là. Il faut quoi comme qualité, David ? Savoir lire un plan, okay. Être organisé. Et rigoureux. Et rigoureux. Ah, vigoureux et rigoureux. Et rigoureux. Comment tu fais le coup là ? Allez, 1, 2, 3. Et on mixe. C'est ça l'ambiance ici. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ah ici. Oui. Ouais. Ouais, ouais. T'es jamais tout seul dans l'atelier ? Non, jamais. On a du contact tout le temps ensemble. On arrive à travailler par deux quand on fait vraiment des grandes longueurs. Ok. Eh, c'est beau quand même, hein, ce qu'on a fait. Ça, c'est nickel. Pour le premier jour, félicitations. Voilà, donc ensuite, on positionne l'autre et ça passe pas. Et alors ? Donc, quand ça passe pas, faut les recouper. On donne un petit coup de plasma. C'est un appareil qu'on a là-bas. La cagoule. Et qu'on découpe pour que le plat passe bien dedans. Pas trop vite. Ouais. La tienne, elle est plus droite que la mienne. Hein. Ah, mais c'est l'apprentissage. Voilà. Donc ensuite, voilà, on positionne en face nos trous. Voilà. Et ensuite, j'aime bien pointer. Hein. C'est sympa. C'est super. Bah ouais. Tout le temps des points différents, des pièces différentes. C'est ça qui est super. David, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Ah ben merci Géry, je suis très content de t'avoir connu. J'ai adoré te filer un coup de main. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de David, postulez. Moi, j'ai d'autres missions de Job & Box à remplir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.